Bonsoir à tous, bonjour à tous. Ici Anaïs Culoma pour mon live du jour et aujourd'hui je vous invite à passer un petit moment avec moi pour une méditation qui va vous inviter à vous connecter avec vos anges gardiens, avec votre équipe de lumière. Bienvenue, travailleurs de lumière que vous êtes. Je vous invite à vous installer confortablement si vous le pouvez, ou en tout cas à prendre un instant pour relâcher un peu vos pensées, pour relâcher votre corps. Je vous invite à prendre trois grandes inspirations par le nez et souffler par la bouche la plus longue respiration que vous pouvez faire. Continuez à respirer profondément, relâchez toutes les tensions en même temps que vous soufflez. Relâchez les tensions dans votre corps. Relâchez vos pensées. Laissez-les passer sans vous accrocher. N'essayez pas de les faire partir. Soyez simplement présent ici et maintenant. Connectez-vous avec les points d'appui de votre corps, ressentez votre corps, entrez en connexion avec votre corps. Et je vous invite à demander à toutes les énergies de s'éloigner de vous. Toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, tout ce que vous percevez, tous les êtres qui pourraient éventuellement être là à côté de vous. Demandez à tout le monde, en premier lieu, de s'éloigner de vous. C'est une demande, presque une exigence. Éloignez-vous toutes ces énergies, éloignez-vous toutes de moi maintenant. Grandissez votre espace, faites grandir votre espace. Au fur et à mesure que vous inspirez et expirez, soufflez ces énergies en dehors de vous et éloignez-les de vous. Soyez totalement en présence avec votre corps, avec toutes vos sensations. Et maintenant, je vous invite à tourner votre conscience, à tourner votre présence vers vos coéquipiers, vers les anges, vos anges qui sont là autour de vous. D'abord, prenez un instant pour regarder comment vous vous sentez simplement en demandant à tourner votre conscience vers eux. Quelles sont les sensations dans votre corps? Dans vos mains, dans votre cœur, dans votre poitrine, dans vos pieds peut-être, dans votre tête? Fermez les yeux, gardez-les ouverts comme vous préférez. Tournez-vous et demandez à vous ouvrir, à ouvrir votre être, à recevoir la présence de vos anges. S'il y a des craintes qui se présentent de l'ordre de et si c'est pas eux et si je me connecte à la mauvaise personne, j'aimerais juste vous rappeler que quand vous voulez appeler votre maman au téléphone, vous appelez pas votre père, vous savez. Vous appelez votre maman.
C'est exactement la même chose ici. Vous appelez vos anges gardiens, vous appelez vos anges, vous appelez vos équipiers, vous n'appelez pas quoi que ce soit d'autre. Donc si vous êtes en proie à ce genre de pensée ou de peur, prenez simplement toutes ces énergies, toutes ces peurs dans vos mains et remettez-les entre les mains de l'univers. Remettez-les entre les mains de vos anges. Permettez-leur de vous soulager de ces énergies. Inspirez profondément et soufflez profondément. Demandez à être intensément présent avec l'énergie de vos équipiers. Et maintenant, demandez-leur de s'approcher de vous. Et si vous vous sentez prêt pour ça, demandez-leur de vous prendre la main. Et soyez simplement attentif à toutes les sensations, à toutes les émotions, à tous les sentiments qui peuvent se présenter pour vous. Si vous sentez que vous contractez à l'intérieur, que ça contracte quelque chose, que ça alourdit quelque chose, je vous invite juste à respirer encore profondément et à laisser tomber vos barrières, toutes vos protections. Combien de protections est-ce que vous avez mis en place au fur et à mesure des années pour ne jamais recevoir la vraie gentillesse, la vraie gratitude, sans aucune attente? Combien de fois, quand quelqu'un a été gentil avec vous, il attendait quelque chose en retour et vous avez décidé que plus jamais vous ne laisseriez entrer cette énergie dans votre vie. Laissez ça de côté ici, maintenant, juste pour le temps de cet exercice. Laissez tomber ces barrières, laissez tomber ces barricades, laissez tomber ces murs. Laissez tomber la prison dans laquelle vous vous êtes vous-même enfermé. Vous pourrez les remettre après. Tout va bien. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Et maintenant, demandez-leur de vous prendre la main. Et restez simplement présent avec eux, avec vos sensations. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respirez calmement. Et si vous en avez envie, vous pouvez leur demander de rester à côté de vous, proche de vous, tout au long de la nuit ou tout au long de la journée, selon à quel moment vous allez écouter cette méditation. C'est un merveilleux exercice à faire le soir avant de s'endormir, pour des nuits paisibles et régénérantes.
Ouvrez les yeux et regardez. Regardez ce qui vous entoure. Est-ce que quelque chose est différent dans votre vision? Est-ce que quelque chose est différent dans votre corps? Est-ce que quelque chose est différent dans la façon dont vous vous sentez? J'adorerais lire vos messages, vos retours sur cette méditation. Demandez à rester dans cet espace. Demandez à amplifier cet espace. Choisissez d'inclure ces êtres dans votre vie. Choisissez d'avancer avec eux, de les laisser vous soutenir. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. On ira plus loin en janvier lors du programme Travailleurs de lumière. J'avais déjà envie de vous inviter à cet espace, à découvrir cet espace dès maintenant. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait contribuer pour des personnes autour de vous. Je me réjouis de lire vos ressentis de cette méditation. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit. Je vous embrasse très fort. Vous êtes merveilleux, vous êtes lumineux. Et on se retrouve demain.